madame est décédée dans un accident qui est arrivé aux Ozila. Mais moi, ce qui m'a mauvais pensé, vous allez aller de l'avant avec la compagnie de santé parce que ce qui est arrivé à Zodizou, nous a réalisé parce que pas la première fois que nous avons un accident de la route. Moi, mon père, j'ai ma femme, j'ai un enfant de 3 ans, un petit garçon de 3 ans. Et moi, madame, fait que finalement, il y a une petite école, d'espérer une heure, moi, pour lui, finalement, j'ai pu la passer. Elle a joué ensemble. Malheureusement, c'est un arrêt, comprends, mais elle a fait qu'une plus connue, il n'y a pas de choses. Il est vrai, un accident, c'est un accident, mais il y a beaucoup d'accidents qu'on n'a pas évité. Des paroles. Je t'aime. Je suis en décembre. Décembre, je suis bien venu pour. Voilà, je suis la sœur cadette de l'UDFIN, je me prénomme Karine. Et je peux vous dire que c'est pas un événement évident à vivre. Et je tiens pour responsable la CNT, parce que si la CNT avait fait son travail comme il fallait le matin, je pense pas que ma sœur serait disparue aujourd'hui. Je sympathise aussi avec toutes les autres familles, mais tout ce que je peux dire, que ce soit la CNT, que ce soit même la, même, que ce soit même Rosy le transport, ben, le mieux à faire, c'est que de savoir vraiment, avant de mettre la vie des gens en péril, de savoir vraiment que la vie des gens, ça compte beaucoup. Là, Delphine a son fils de 3 ans, avec qui elle était vraiment proche. Et franchement, vous dire, c'est pas évident de vivre cette vie-là. Mais je sympathise vraiment avec tout le monde. Même avec toute ma douleur, mais je sympathise avec toutes les autres personnes. Elle est la plus jeune dans la famille, elle se fait, c'est pas évident, au contraire, elle préparait son mariage pour décembre et elle s'était mariée civilement le 26 décembre de l'année dernière et décembre de cette année-ci, elle était supposée de se marier religieusement, mais c'est pas évident, elle n'a que 21 ans et c'est pas facile. Elle était là mercredi, le 1er. On a déjeuné ensemble. On a passé un bon moment. Elle était là pendant presque demi-journée. Mais c'est un des souvenirs que je garde d'elle. Et hier aussi, on s'est parlé au téléphone, mais pas en face. Mais bon, l'approche que j'ai eue avec elle mercredi, bon, c'était comme d'habitude. On se taquinait, etc. Mais c'est tout ce que je garde d'elle, vraiment. Au fait, depuis ce matin, à ce qu'il paraît, le réseau d'Orange était saturé. Et ça m'a mis haut de moi. Je ne sais pas, j'ai eu un pressentiment, j'ai voulu l'appeler comme je suis arrivée au travail. Effectivement, je l'ai appelée. Mais comme le réseau était saturé, je ne l'ai pas eu. Et j'ai ma sœur qui est en France. Elle m'a appelée, elle me dit, tu sais, j'ai rêvé des trucs vraiment bizarres. Est-ce que tout va bien? Je lui ai dit, ouais, ça va, c'est ok. Et voilà, suite.
J'ai appelé, mais j'ai pas eu de fil. Et puis, il y a un copain qui m'a annoncé la nouvelle pour me dire concernant l'accident. Et bien après, mon mari m'a appelé pour me dire si tout était OK, vu que moi je travaille à Phoenix. Et à ce moment, je lui ai dit oui. Mais après, à un moment donné, Yannick m'a appelé, son mari. Yannick m'a appelé pour me dire, c'est le fils a fait un accident. Voilà. Et je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est juste que ce que le policier m'a dit, c'est qu'on a ramassé ses affaires dans le bus. J'étais paniquée comme tout. Là, j'ai attendu. Je ne suis pas sortie du bureau. Mais pour après, apprendre que, lorsque j'ai rappelé Yannick, pour apprendre que ma maman a découvert le corps de ma sœur. Bah, voilà. En arrivant à l'hôpital, j'ai demandé, comme si tu veux, pour quel chemin il faut aller, les se contacter. À ce moment, on me disait que, comme si tu veux, ils savaient déjà qu'il y a un nom d'Edwin. Mais pour certifier, ils m'ont emmené dans une salle pour identifier la personne. Mais quand j'avais reconnu les sandales qui étaient au pied de Delphine, à ce moment, je lui disais que c'est ma fille, c'est ma fille. C'était vraiment un choc. C'est parti.